Voilà, on clique sur le nom du script que j'avais appelé moi Transpo en dessin version 1. Non, je me trompe, c'est sur le nom de l'ensemble. Si on veut enregistrer en cliquant sur le nom du script, ça ne marchera pas. C'est le nom de l'ensemble, transformation en dessin, le dossier. Et on va dans le menu ici et on demande enregistrer les actions. Voilà, et ça vous propose d'enregistrer en .atn, donc c'est l'abréviation de action. Et voilà, votre script est sauvé. Alors, s'il ne fonctionne pas, il y a possibilité de le corriger, mais ça peut être compliqué d'arriver à repérer où est l'erreur sur un script quand même relativement long comme celui-ci. Il y en a des beaucoup plus longs disponibles gratuitement sur le web aussi, des scripts. Ça peut être intéressant, vous allez voir un jour des scripts d'action à télécharger sur le web et les charger dans la palette des actions par le menu « Charger des actions ». Ok, alors là, je ferme l'image sans l'enregistrer et je vais la réouvrir et jouer le script et on va voir ce que ça dit. Ok. Donc, palette des calques apparente, là voilà. Le script transfo en dessin version 1, lecture du script, création des calques, une fraction de seconde et ça a l'air d'être fait. Vous avez vu la vitesse? Sur un vieux Mac de 2013 en plus. Voilà, donc chaque fois que vous voulez faire un effet de dessin sur une photo, on joue le script et puis on modifie toutes les choses. On va le faire ensemble si vous voulez les modifications. Vous pouvez aussi désigner un dossier qui contient plein de photos et les traiter en masse pour que dès que vous les ouvrez, les calques sont déjà là. Ça, c'est aussi possible.